Dans les années 1900, Paname, c'était le territoire des Apaches. Pas ceux avec les plumes sur la tête, non? Nous, c'était plutôt casquette, foulard, patte d'œuf et surin. Pareil qu'on est revenu à la mode aujourd'hui. Comme nos voisins anglais, les Peaky Blinders. Mais avant de nous faire passer pour des dandys romantiques venus des bas-fonds, débouchez-vous les feuilles et ouvrez bien les mirettes, les gars. Parce que moi, je vais vous la raconter, la véritable histoire des Apaches de Paname. Comme si vous y étiez. Vous appelez ça la belle époque. C'est vrai que le baron Haussmann, il avait bien transformé la ville. Mais pour nous, les gosses des rues, ça nous avait juste poussé loin des grandes avenues bourgeoises, à la marge, dans la zone, comme il disait, la ceinture noire. En gros, un immense bidonville campé aux portes de Paname. On y trouvait les ouvriers, les biffins, les bannis et les tricards de la capitale. Nous, dans tout ça, on était juste des gamins un peu perdus. On n'a pas choisi cette vie, c'est elle qui nous a choisis. Quand on est dans la crasse, élevé par l'asphalte, on est condamné à la débrouille et aux embrouilles. Notre territoire, c'était le nord. Belleville, Ménilmontant. Des façades décrépies, des maisons sur le point de s'écrouler, qui s'entassaient comme des dominos. Et puis Montmartre, la butte maudite, où les artistes bohèmes, les filles de joie et les voyous se croisaient, où l'air était saturé d'illusions perdues et d'odeurs de vin bon marché. On était des fils de prolo, mais pas question de se tuer à l'usine pour 3 sous comme nos vieux. Nous, on avait des rêves. Une soif de liberté et le goût de l'anarchie. On n'était pas que des voyous, on était les descendants des communards, les héritiers des émeutes populaires. Un esprit de révolte coulait dans nos veines. On en voulait à la police et aux bourgeois qui nous toisaient depuis les beaux quartiers. On voulait mettre un grand coup de pied au cul à l'ordre social. La plupart d'entre nous, on s'était croisés en maison de correction. Ça crée des liens. On traînait en bande et on s'était inventé un style. Casquette en biais, foulard serré autour du cou, pantalon patte d'œuf et godasse rutilante dont les talons claquaient sur les pavés. On portait notre fierté et notre identité comme des étendards. C'est comme ça qu'on est devenus les Apaches de Paris. On ne sait pas très bien qui nous a donné ce nom. Un juge, un flic, un journaliste, peu importe. Ça nous représentait bien. Les derniers des Mohicans, descendus des montagnes pour foutre le feu à la ville. Au début, notre truc, c'était le larcin. Vol à la tire, à l'amour, à la carte ou à la sauvette. Chevalier grimpant, hibou, renifleur, on avait tous notre spécialité. Notre arme, c'était le couteau ou le surin, qu'on maniait à la perfection. Ouais, on avait des beaux costumes, mais on n'était pas des anges. S'il fallait ouvrir le bide d'un bourgeois pour récupérer sa montre, on n'hésitait pas. Plus on était violent, plus on parlait de nous. Et c'est ça qu'on cherchait. On faisait pas ça juste pour le fric ou pour l'adrénaline. On voulait montrer à ce monde qui nous crachait à la gueule qu'on était là. Qu'on n'était pas juste des ombres errant dans l'obscurité. On voulait trouver la lumière, par tous les moyens. On avait même inventé une danse endiablée qui faisait fureur dans les balmusettes. Toutes les pépettes de Paname rêvaient de se faire scalper par un Apache. Et vous voulez savoir comment tout ça s'est terminé ? À cause d'une histoire de gonzesse, justement. Dans les nuits de Paname, là où les ruelles se perdent dans le noir, les Apaches faisaient leur train-train à côté d'un univers tout aussi obscur. Celui des poules de luxe, qui échangeaient leur charme contre quelques pépettes. Des jeunettes, affranchies, qui avaient choisi la rue comme salut. Les Apaches et les pépés partageaient les mêmes territoires interdits, où la luxure se mélangeait à la violence. On les protégeait, elles nous réconfortaient. De la misère des bas-fonds de la ville lumière pouvaient naître de brûlantes passions. C'est là qu'est arrivée Amélie. On l'a surnommée Casque d'or. Elle avait 15 ans. C'était la muse des Apaches. C'était surtout la protégée de Manda, un Apache de 20 ans.
Et quand elle a appris qu'il l'a trompée, elle a cherché vengeance. Et elle est venue vers qui? Vers moi. Je savais très bien qui c'était cette môme. Mais voilà, elle m'a rendu dingue. On a commencé à fricoter. Et quand Manda l'a appris, c'est devenu un sacré bordel. Une guerre a éclaté entre nos deux bandes et s'est étendue à tous les Apaches. Les alliances se sont rompues. Les Apaches étaient une grande famille, mais comme dans toutes les familles, on se déchire. Bataille rangée, armes à feu, les rues de Paris sont devenues le théâtre de nos rixes sanglantes. Et c'est la maison Poulaga qui en a bien profité. Arrestations en masse, procès, les geôles de la ville se remplissaient de ces visages familiers. Leur rire étouffé par les murs des cellules marquait la fin d'une époque. Et puis la Grande Guerre est arrivée. Les derniers d'entre nous ont fini comme chair à canon sur des champs de bataille lointains. Manda et moi, on s'est fait arrêter le même jour. On était en train de se foutre sur la gueule. On a fini notre vie au bagne, tous les deux. Et on n'a plus jamais revu Casque d'Or. C'est pas les matons qui ont eu raison des Apaches. C'est notre passion dévorante, notre envie de vivre intensément, quel qu'en soit le prix. On a ri, on a pleuré, on s'est battu, mais bordel, on a vécu. Alors la prochaine fois que vous entendez parler des Apaches de Paname, souvenez-vous de nous, les gamins des rues qui ont défié l'ordre établi. Nos histoires, nos bagarres et notre esprit indomptable resteront à jamais gravés dans les pavés de cette ville. Dans chaque coin sombre, l'esprit des Apaches continue de veiller, prêt à se réveiller à la moindre étincelle de révolte.